Avant d'ouvrir ce journal, d'abord, on rappelle la tenue du dialogue politique fixé au 28 mars prochain. C'était hier, lors de la lecture du communiqué final du Conseil des ministres par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billiet-Vizé. Et justement, le dialogue politique. L'association SOS Sauvons le Gabon de l'ambassadeur Henri Mbirazé est prête pour participer à ce dialogue politique inclusif. L'annonce a été faite au cours d'une audience avec le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé. Voyez le point avec David et Soumaïa. L'association SOS Sauvons le Gabon de l'ambassadeur Mbirazé prête pour prendre une part active au dialogue politique national inclusif en perspective. La participation de cette structure associative à ce grand rendez-vous politique que va organiser notre pays a été évoquée au cours d'une audience avec le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé. Nous avons pensé que nous devrions nous engager. Le Gabon est dans une situation, dans une impasse. Et cette impasse-là aujourd'hui, nous ne saurons la laisser comme ça. Et donc nous avons pensé y venir pour prendre part au dialogue national. Et je pense que nous avons des éléments qui nous permettraient bien sûr de participer et d'apporter notre contribution quant au bon fonctionnement de ce dialogue, surtout quant à la sortie de crise au Gabon. Nous voulons la révision de quelques éléments dans la Constitution. Nous voulons la révision du code électoral. Nous voulons tout, nous souhaiterons que toute la chaîne électorale puisse être revue, de telle sorte que demain, nous n'ayons plus de contestation aux sorties de l'élection. En attendant le début des assises prévues le 28 mars prochain, le dialogue politique voulu par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pour mission d'engager des discussions visant à faire évoluer les institutions politiques de notre pays vers la consolidation de l'État de droit démocratique.